secours en treillis, en armes, avec leurs sacs. Le but, c'est de rendre cet hommage dans l'effort. L'objectif, c'était également, au cours de cette course, d'honorer tous nos morts et de montrer que le 11 novembre, ce n'est pas seulement les morts de 14, mais c'est tous nos morts. Et chaque journée a marqué un hommage à une génération du feu. Donc ceux de 14, ensuite ceux de la Seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, les OPEX, et aujourd'hui plus particulièrement, ce sont les morts de l'année. Pour moi, ça représente un grand honneur de porter cette flamme, puisque ça fait lien entre mes anciens qui sont morts sur le champ d'honneur et les armées combattantes aujourd'hui. C'est une fierté, c'est un honneur d'être ici et d'arriver sous l'Arc de Triomphe pour finir ce relais. Excusez-moi, voilà, je viens remettre à monsieur voilà, la flamme. Les contraintes liées aux règles sanitaires et au Covid, bien évidemment, ont amené à adapter un petit peu tout ce qu'on avait prévu, notamment les rencontres avec la population qui ont été annulées, le nombre de coureurs qui était strictement limité à 6, les cérémonies qui se sont déroulées à huis clos, c'est-à-dire avec les seules autorités. Mais néanmoins, on a pu toucher une bonne partie de la population en demandant de courir virtuellement avec nous sur Zoom.